Alerte gras, alerte gras. La nuit est en train de tomber. Attention au loup. C'est l'heure de la fendue. Et on est enfin au chaud, les amis. Voilà. Technologie. J'ai pris un petit peu de pain, juste 1 ou 2 kilos. Et oui, comme vous en doutez, je suis affamé. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Je suis allé ramasser du bois parce que je manque de bois, parce qu'à chaque fois j'oublie que j'ai la technologie. Et oui, regardez les amis, c'est incroyable. Et je sais, tout le monde s'en fout, mais seuls ceux qui se sont chauffés au feu de bois pendant un mois peuvent comprendre. Technologie dans la maison isolée. Bon, je me suis pas fait de fondue cette année et j'avais très faim. Du coup, je me suis dit on va faire une fondue aux 10 fromages, 2-3 kilos. Et c'était vraiment pas prévu que je le fasse en vidéo parce que moi je vous avais prévu une fondue aux 30 fromages. Là, c'était juste un truc perso. Mais je me suis dit c'est con de partir direct sur 30 fromages et de manger tout seul la 10 fromages. Donc on va commencer par la 10 fromages. Voilà, j'en ai pris juste un petit peu. En plus j'ai pas pu faire de vidéo aujourd'hui puisque j'ai pris du bois. Ah, olé. On va commencer les amis du coup par une base de fondue. Oh, c'est le bordel, j'ai les lapins qui mangent tout. Mon pain, on va le cacher ici. J'avais vraiment envie d'un truc bien gras. Sachez que je n'ai plus rien à manger pour 3 jours, j'ai que du fromage. Ah. Dans ce mix j'ai pris bien sûr du fromage à raclette, Coulommiers Gouda, Roquefort, un petit peu d'emmental, de l'Istara. Et oui, c'est la raclette de toute la France. Et c'est pas une raclette, c'est une fondue. C'est bon l'Istara. J'ai pris aussi du Saint-Albré et il pue. De la mozza et mon fromage préféré, bien sûr. Et j'ai oublié le nom. Voilà, c'est pas une blague, c'est vraiment mon fromage préféré. Comment je peux oublier le nom? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des bugs comme ça, genre un truc que tu connais depuis longtemps? Alzheimer me guette. Et bien sûr, c'est du Morbier. Je sais même pas comment j'ai fait pour oublier le nom. Fondu. Allez, c'est parti, fromage à fondu. Mozza, coulommiers, fromage à raclette. Alors merde, y a plus de place. On va le couper en morceaux. Le Saint-Albré, le cœur fondant. Un petit peu de gouda. Morbier. Emmental. Un peu d'Istara. Roquefort. Allez, plus qu'à faire les mouillettes. Pouce bleu si vous voulez que je vous fasse un room tour un jour, mais c'est le bordel. On va faire bien sûr des petites mouillettes. Beau pain. Alors ça fond tout doucement, c'est juste là, et je peux vous dire que ça pue le fromage déjà. J'ai trop faim. Oh là là, c'est parti. Regardez-moi ça, on va essayer de le retourner un peu. Ça chauffe, ça chauffe. Alors cette fondue, les amis, va être de la folie. Ça commence à se réduire un peu en volume, regardez-moi ça. Oh là là. Je sais pas si on peut décéder en mangeant trop de fromage, mais ce soir, je suis mort. On goûte. Oh là là, c'est de la folie. Regardez sa boue, ça fond doucement, elle est bientôt prête. Encore 5-10 minutes. Waouh. Oh là là, la folie. Voilà, tout n'a pas encore fondu, il y a des fromages qui sont un peu plus durs, mais... Ah, j'ai faim. Regardez, le repas parfait pour l'hiver. Encore un petit peu. Waouh, comme c'est beau. Allez, c'est parti, regardez, on y est. C'est prêt. Oh là là. Ah, il y a un bout de fromage. Allez, à table. Voilà pourquoi c'est bien la montagne. Ah, aucune limite pour manger. Faut survivre au froid. Alors, le pain test, je vous montre après. Waouh. Et je vous souhaite à tous, les amis, bon appétit. Ah, c'est bon. Ah, les mouillettes sont un peu grosses. Bon appétit à tous. Oh là là. Oh là là, c'est vraiment la folie. Oh, mon pain. Alors, je vous avoue, c'est de la dinguerie, mais vraiment de la dinguerie. C'est la meilleure fondue que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh là là. Bien le gras. Regardez, il y a même des morceaux. Voilà, je vous avoue, j'ai toujours rêvé, mais vraiment rêvé de me faire une fondue comme ça. Bon appétit. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a juste à réchauffer, j'ai de la fondue pour 3 jours. Alors, je valide le mix, il est dingue, mais vraiment dingue. On sent légèrement le roquefort, il y en a... Regardez. On peut faire de la paracorde. Ah, c'est horrible à manger. Le jus de gras. Ah, mon pain. Ah. Oh là là. Je vous invite à le faire chez vous.
Je sais plus où est mon pain, si c'est le fromage ou le pain. Mais... Oh, j'ai chaud. Qu'est-ce que c'est bon. Bah, le problème, c'est que quand ça durcit dans le ventre, tu peux plus digérer après. Je vais mourir. Pardonnez-moi hein, pour ce que ça dégoûte, mais j'avais besoin de cette... cette résurrection à la montagne. Tout seul avec ma fondue au dit fromage. C'est donc pour ça qu'on fait des petits morceaux de pain, pour pas en mettre partout. Vraiment, je vous invite à mixer tous les fromages. C'est 100 fois meilleur qu'un tacos. Voilà, cette vidéo n'a aucun intérêt si ce n'est juste la vidéo de la fin. J'ai retrouvé mon pain. Pouce bleu pour la fondue pour survivre au froid. Mangez gras et survivez. J'en ai presque déjà mangé la moitié. Je vais aller me prendre une douche, du coup, après. Petit bonus dans la vidéo, on se retrouve le lendemain. Vous allez voir, le fromage a durci. On a fait un fromage incroyable. Le fromage Audi fromage. Et oui, regardez, il est bien dur. On va en découper un morceau. Fromage Audi fromage. Voilà, ça, c'est magnifique. Je vous souhaite à tous, bien sûr, les amis, bon appétit. Voilà, rien de tel au petit-déj. Ce fromage est incroyable. Vraiment incroyable. Petite anecdote, sachez que pendant la guerre, les seules personnes qui ont grossi, et je parle des prisonniers de guerre, c'est ceux qui étaient nourris au pain et au fromage. Notamment ceux qui étaient faits prisonniers en Turquie, ils étaient nourris qu'à ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah sachez qu'en quelques mois, ils ont tous pris plusieurs kilos. Donc, l'histoire nous dit qu'on peut se nourrir que de pain et de fromage. Et oui, stock de fromage survivant au chômage. Ah, et bon app. Et en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Je vous dis, allez, à bientôt, ciao !